Hey les amis, je profite juste de l'intro pour vous rappeler trois petites choses. C'est que vous pouvez mettre un pouce vert, ou un pouce bleu, ou un pouce de n'importe quelle couleur si vous avez aimé la vidéo et pour l'aider à être reconnu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous pouvez lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo pour répondre aux différents points que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo. Et bien sûr, bah, vous exprimer tout simplement. Allez, sur ce, on continue la suite de les vidéos. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de City Skyline. On se retrouve donc, bah voilà, quelques temps après la précédente vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait de beau à faire? Eh ben, on avait fait la zone, voilà, la zone de bateau, on avait survécu à la tornade. On voit que là le trafic est quand même relativement important dans cette petite zone là. Malheureusement, j'ai que peu d'objets qui pourraient faire un peu la déco dans cette zone là, donc c'est un peu dommage, on va dire. Quoique la zone ici, je les bougerai bien. Est-ce que je peux. Non, je peux pas. Je peux les mettre que d'un côté. Ouais, que j'y arrive à les prendre trop incliné un peu. Je suis très embêté en fait, ce que je peux pas faire. Il faudrait que je pousse un peu le terrain. Pour la planer un peu. Il y a ça pour se mousser. Après, il faut monter pour la taille de la grosse. Il n'y a pas des bêtes quand même. Bien sûr, au départ, j'ai coupé ça. J'ai coupé tout ça à la hache, mais. Après, voilà, on se mousse. On se mousse, bien sûr. Et par exemple, donc on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire une petite route maintenant. Ah, je peux pas faire une route à partir du... Tac. Non, c'est pas ça que je veux, ça c'est. Oula. Okay. Non, c'est pas du tout ça que je veux. On va prendre comme ça. Voilà. Non, parce que là, c'est. On va dresser. On va descendre. Ok. Loupé. Tac.
Ah, ça peut être sympa. Ah, comme ça peut être sympa. Puis là, on peut continuer un peu. On va continuer. Alors, terrain. De faire la place pour faire un prochain. Alors, ça prend combien de place? Plus grand que ça. On va voir. Ah, parfait. C'est parfait, ça. Ça va être le truc comme d'hab, c'est-à-dire que. En fait qui est pas vrai. Ça bug? C'est relié à l'électricité ou pas? Ouais, voilà. Donc ça, c'est relié à l'électricité. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, parce qu'il y avait un bout de tuyau. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Ah, quoi qu'il n'y ait peut-être pas assez d'eau. On dit qu'il n'y a pas assez d'eau. Si, ça y est, il me dit qu'il y a assez d'eau. Et ben voilà. Ça fait une
Belle petite zone industrielle. Là, je suis content. Ok, les amis. Ça fait un peu gros cratère, mais. De toute façon, plus ou moins, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? Parce que, de toute façon, la zone industrielle, elle est loin. Oh là! Il y a du crime un peu partout, là. Non, 11% criminels sous les barreaux. Quoique, il n'y a pas de policiers dans tout ce secteur-là. Je leur mettrais bien un petit commissariat. Un petit gros commissariat. Là, ici, ça serait peut-être pas mal. Et bien, ça marche. Le tram est là-bas. Alors, chose promise, chose due. On va se mettre dans ce sens-là normalement. La dernière fois, je vous avais parlé des différents secteurs qu'on allait, sur lesquels on allait peut-être planifier notre expansion. Donc, voici le choix du vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous avez, vous pouvez me donner 10, 10 endroits. Moi, ma préférence serait sur cet endroit-là pour finir toute cette partie-là de la ville, remplir tout ce quartier-là, et enfin avoir une ville qui s'étend vraiment le long de la rivière, tranquillement. Tranquillement. Après, c'est votre choix. Alors que si vous voulez me faire avancer sur un autre endroit, vous avez totalement raison et je serai toujours d'accord. Hein, on va pas partir sur du mauvais terme. Sachant que cette partie-là, de toute façon, ne sera constructible que quand. Cette partie-là, je pense que je la construirai que quand j'aurai cette partie-là. Donc, s'il y a quelque chose qui est ici, ça sera vraiment quelque chose qui sera autonome. Hein? Donc, je pense qu'ici, ma priorité, ça va être de mettre ça ici. Et puis voilà, grandir, continuer à faire grandir la ville, ou alors peut-être par là pour avoir d'autres secteurs. Ici aussi, ça peut être une zone intéressante pour que. Je finis enfin ce secteur-là. Mais c'est vrai que là, tout doucement, bah, la ville, elle grandit bien quand même. Et je voudrais continuer cet agrandissement avec vous. Alors, métropole 48-60. Pense que ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur parce que, allez, quand même, là, ça fait presque un nouveau quartier complet. Presque un nouveau quartier complet. Ça serait peut-être même intéressant. J'ai la voie ferrée qui est là. J'ai la voie ferrée qui est là. Mais là, ça fait un très gros trafic. On la voit faire aller là, mais je pense que par l'avenir elle passera par au-dessus. Je vais la dévier un peu, pour qu'elle soit plus carrée. Et j'aimerais quand même réussir à faire en sorte qu'on voit un peu plus la voie ferrée. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que là, en fait, elle part. Ici, j'aime bien le concept ici de pente. Même si je trouve qu'elle fait un trop gros détour, j'aurais mieux fait passer par là en plus en direct. Ça, ce côté-là, ça me dérange pas en fait, j'aime bien. Ça fait vraiment le petit coin, la sortie de la ville. Avec ici l'entrée de la ville. Deux fois, j'ai un glitch graphique. Avec ici l'entrée de la ville, hop, le tunnel.
S'il y a des petites barres. Petites barres, et après on arrive, hop, ça ressort ici. Ça, j'aime pas trop mal en fait ce côté-là. Ça soit vraiment la mini-gare centrale. En plus, ça fait un beau quartier. Hein. Il y a des beaux immeubles à force. Hein. On n'est pas loin, mais regardez là, les augmenter la valeur du terrain. C'est pas loin d'évoluer. Et là, ce coin-là, je l'aime bien aussi maintenant. Je trouve pas trop mal. Je trouve que ça fait très vite, très correct, on va dire. Entre d'avoir l'autoroute qui est là avec le petit centre, le petit anneau. Peut-être bien cette autoroute là que je peux détruire. Que je peux détruire et je peux agrandir cette partie de la ville. J'ai peut-être coupé la ligne principale par contre. Oui, bah ça va évoluer. Hein. Là ici on pourrait partir en ligne droite ici. Il faudrait que je voie. On pourrait partir en ligne droite. Après, il faudrait que je parte en ligne droite là. Après, je peux repartir en ligne droite là. Qui va, elle, jusqu'au bout. Ouais, là, ça fait un petit parc. C'est pas mal. Et là, on peut faire une route comme ça. Voilà, ça fait, ça finit. Ça fait pas mal. Ici, on peut mettre un parc proche. Ah, c'est ça aussi qui manque ici par contre. Hé, j'ai pas mis de parc ici. Est-ce que je peux mettre des potées porc? Là, il va pas vouloir parce que c'est trop tordu. Petit parc? Non. Petit parking? Petit parking, il va un petit parking. Ouais, alors après, compter un parking comme une zone de loisirs, c'est petit. C'est petit. Non, mais bah après, on peut mettre un truc de skateboard. Non, non. Il veut pas? On va mettre un vrai parc alors. Ça, et puis je peux peut-être mettre un petit truc médical, je crois que ça fait du piscine, gymnase, dépôt, sauna. Tiens. Ça augmente les. Ça fait remonter la ville, ça. Bah voilà, ça monte. En cours d'amélioration. Ok, ça va monter. Ça va monter. Ok, allez. Sauf qu'on y va à la barjo. Mouin. Là, on va peut-être pouvoir faire une route là.
Voilà, good. Là, par contre, non. Tac, 8. Façon, faut que la vie s'agrandisse maintenant. Alors après, on va regarder tout ce qui est électricité, parce que j'ai peur que là, si la ville s'agrandit encore une fois très vite, la partie électricité ne suive pas. Tac. Mettre des petits arbres. Hop. Des petits arbres, toujours des petits arbres. Alors, on va mettre de l'eau maintenant. Alors, quantité d'eau, ça reste correct. Bon, l'eau, c'est vraiment pas ça qui est difficile. La ligne électrique, on va la remettre jusque. Ça va être construit. Alors après, électricité, ça donne quoi? Production d'électricité, largement. T'es good? T'es good? Et on va accélérer un peu. Plus d'espace, plus d'espace. C'est fou ça. Capacité crématorium, capacité de cimetière. C'est. Franchement, j'ai l'impression de faire que ça des cimetières. J'ai vraiment l'impression que ça fait un an que je fais des cimetières. Que je fais que de faire des cimetières dans la ville. C'est qu'ils sont toujours pleins. Le problème, c'est que c'est toujours plein. Voilà, trois nouveaux cimetières. J'ai l'impression de faire vraiment d'avoir tout un quartier de cimetière. Enfin bref. Alors comment ça avance là? Ça avance pas mal. Et il y a peut-être même un petit truc à faire. Là j'avais des zones de bureau, je pense. Deux cents personnes en plus. On va transformer ce quartier. Hop là!
Ah oui, c'est efficace. Bon, pas bah, qu'est-ce que vous voulez, à force. La petite ville tranquille. Ah, il y a quand même. Eh, elle reste quand même relativement grande, la petite ville tranquille. Je l'ai pas trop surcuté, hein, quand même. Contrairement à d'autres endroits. C'est ce qu'il me dit, il y a besoin de commerce. On va voir ça alors, commerce. Dans une zone comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Un carrefour. On va faire un carrefour qui s'installe. Ah, pas assez gros. Trop gros. Bon, bah, allez. Carrefour s'installe. On va aller faire de la place. C'était quoi que j'avais? Carrefour. Carrefour, et à côté, on va mettre. Ah non, ils vont faire de la concurrence. C'est quoi ça? Lidl. Hertz. Esso. Okay. Alors, on va dézoner. Et là, on va mettre une fin de voie. Ça va finir. Alors, voilà. Et so. On va mettre des petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Industriel. On peut mettre un conteneur. Un seul, s'il te plaît. Hop. C'est quoi ça? Bus Lane. Là, on peut faire une hop. Comme s'il y avait. Une zone de parking pour handicapés. Ok. Et derrière, on va faire. Hop.
Tac. Une flèche. Profane, grand bonnet. Ça. Oula. Ah, c'est de la neige. Ah, c'est con, j'ai pas le... Normalement, je crois que je peux... Avec ça. Alors après, tu... J'étais censé pouvoir bouger, mais là, c'est la hauteur. Ah, je sais pas comment on fait pour tourner. Je sais plus, les amis. Bon, c'est pas grave. Faut que ça fait pas mal. On va juste mettre un arbre vivant. Voilà. Eh bah, eh. Oula! Mes amis, on a un problème d'électricité. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je remets des éoliennes? Faut que je remette deux éoliennes. Et je vais peut-être faire de la place, je vais déplacer celle-là. Je vais voir pour faire une petite route. On va faire comme ça. On va faire sillonneuse parce que sinon on va perdre tout l'avantage qu'on avait tout à l'heure. Faut peut-être pas que je fasse trop sillonneuse parce que sinon. Faut que je fasse à la fin. Faut que je fasse un boucle. Tac. Ah mince, j'ai mal calculé mon coup. C'est ça qui est chiant, parce qu'il nous oblige à poser la route avant. Ce qui est complètement bête.
poser une route comme ça. Électricité, électricité. Électricité, électricité. Puis je vais tricher. Comme à chaque fois, maintenant. Poupoupidou. Parce que bon, ce qui est logique, c'est que la route soit adaptée au terrain. Voilà. Et tuk 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 tuk. Ah bah non, ça descend. Voilà. Eh ben c'est pas mal ça. Ok, bon, il n'y a pas d'eau. Mais c'est moi un problème. Voilà, il y a de l'eau. Ah, je me suis tapé à moins 1000 habitants avec cette connerie d'électricité. T'en fais des mégawattheures. Hein. Ouais. C'est laquelle? C'est la Big Lane. Heureusement qu'à force j'ai fait des trucs redondants hein, parce que avec le nombre de fois qu'il y a des poteaux qui se font arracher avec les orages ou quoi que ce soit. Ah, ça commence à s'inonder, chef. Là que ça recommence. Bon, voilà, je pense que les amis, hein, c'est pas mal. Bon, va falloir qu'on y voie. Oh là. Ouais, là, ça s'inonde beaucoup, là, quand même. La preuve, tout le secteur-là est jaune. Hein. Donc, pour le jeu, c'est considéré comme une plage. Il y a même de l'eau qui a réussi à repasser là. Ok, bon, bah, je vais fermer la troisième. Là, par contre, ça risque d'être catastrophique. Ah, c'est simplement vu que la ville a grandi, bah, les deux machines sont de plus en plus efficaces. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais peur. C'est ce que j'avais peur. Qu'est-ce que je fais? Je recrée une là. Toute façon, j'ai pas le choix. On va relier au réseau. On va remettre une écologique hein, pour combler le manque. Et là, ici, nos réservoirs. Est-ce que nos réservoirs sont pleins d'eau? Ouais, il y a pas mal d'eau. Donc, ça, je peux craindre un problème d'eau. Mais. Voilà. Après, on reviendra pour l'écologie. Pourquoi il sera. Pourquoi pas? C'est spécial, ça? Il a presque fallu que je fasse une sortie dédiée à l'autoroute. Oula, ça a bien changé ça. Augmenter la valeur du terrain.
Les pimpons. Donne deux pompiers. Tu peux pas foutre une... Ah si. Voilà, augmenter la valeur du terrain. Ok les amis, bon franchement on a un bon petit épisode. Bon, il reste des choses à régler. En termes de poubelles maintenant qu'ils nous disent, ils nous font des erreurs en termes de poubelles. Ah bah si, oui, bah les poubelles sont là. Passer une marchandise à vendre. Ouais, je pense que ce centre-là, il va disparaître. Voilà, ça bouchonne à tout va. Ok. Bon, allez, les amis, on va se quitter. On va regarder comment marche notre zone commerciale. Paf. Notre carrefour. Ah, la station SO marche moins bien. Mais franchement, j'aime bien. Ça rend bien le. Ça fait petit quartier sympa maintenant. On a l'accès avec l'autoroute. Après, hop. On a les nouveaux immeubles. Tout ça va évoluer. On est à 50 000 habitants sur 60. Donc, bah, peut-être que la nouveauté arrivera assez vite. Hein, parce que, en termes de transport. Ah, c'est quoi? Dirigeable et les bateaux. Port de plaisance. Port de marchandises, port de fret, dépôt de ferry, arrêt du ferry, embarcadère, échangeur ferribus. Je trouverais ça rigolo que le ferry par là. Mais bon, allez. Donc petit rappel avant de se quitter, on n'est pas dans la bonne, dans le bon sens. Alors, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6, zone 7, 8, 9 et 10. Je vous rappelle, votez pour la zone que vous voulez voir que j'achète. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, les amis, on se laisse donc sur un petit récapitulatif. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être surtout plus en nombreux à vous abonner surtout. J'ai oublié de le dire trop souvent dans cette vidéo. Pouce vert si vous avez aimé, abonnez-vous Facebook, Twitter, Google+ pour suivre mon activité et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye!